Je vous invite donc à vous engager résolument dans ce que nous considérons comme étant le défi de l'heure. Chers participants, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je tiens à remercier l'Intervovici et toutes les parties prenantes qui n'ont hésité à aucun moment de conjuguer leur effort en apportant leur appui technique et financier pour la réalisation de cette rencontre. Qui trouve ici, au nom du conseil municipal de Madinani, toute notre gratitude. Mes félicitations renouvelées vont également au comité d'organisation de cette assise. Comme vous le savez aussi bien, la seule activité génératrice de revenus dans notre région demeure l'agriculture. Je voudrais surtout féliciter et encourager tous nos parents paysans qui ne cessent de mener à labourer jour et nuit des terres de nos ancêtres. Pour maximiser ces revenus, il y a lieu d'explorer des horizons. L'élevage des bovins se présente alors comme une bonne alternative pour nous. Cette activité, contrairement à ce que nous pensons, peut bien faire bon ménage avec l'agriculture. Pour ce faire, il faut une organisation, un bon encadrement des acteurs de cette filière. En cela, votre organisation vient en point nommé. En tant qu'élu local et partant porte-voix de tout un peuple soucieux de l'épanouissement de ma population, j'attache du prix à votre initiative. Grand frère. Merci. Je vous exhorte donc à une gestion officiante de cette filière. Je vous donne d'une façon solennelle l'assurance de ma disponibilité à vous accompagner en toutes circonstances. Toute initiative pouvant concourir à l'épanouissement de la population trouvera chez moi une oreille attentive. Pour terminer, chers frères et sœurs, animateurs de la filière bovine, je vous adresse mes vives et sincères félicitations, plein succès à votre action pour un développement harmonieux de la filière bovine à Madinani. Notre présence ici aujourd'hui, c'est un lancement de nos activités de filière bétail. On a Abidjan avec notre petit frère Fofana Karim. Un jour, il est venu au bureau et dit, Monsieur Sawadogo, vous êtes en train d'organiser partout et puis chez moi au village. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit, Monsieur Karim, et chaque chose a son temps. Et si dès levé, un jour va arriver, on va être à Madinani. Voilà, nous sommes en face de vous. Merci beaucoup à nos parents. Je ne vais pas être très loin. On est venu pour cet lancement. Je crois que demain, il y aura un atelier où on va donner beaucoup d'explications par rapport à l'organisation. Ce sont des sociétés coopératives que tout le monde doit se conformer à ça. On doit quitter dans l'informel et aller vraiment dans la bonne voie. Et ce que je voulais ajouter, c'est pour dire à nos parents, les agriculteurs et les éleveurs, que nous sommes comme couteau avec son fourreau, on ne peut pas se laisser. Mais ce qui peut nous rassembler, c'est le pardon et la patience, et surtout
Parce que partout où il y a des baies, il y a toujours des petits problèmes de dégâts de culture. Mais on ne souhaite pas. Mais si cela arrive, on ne doit pas prendre massette ou bien de bois pour régler. Les autorités sont là. Les représentants du gouvernement sont là. Ce sont les gens de l'élevage, c'est de l'agriculture, le préfet, les sous-préfets. S'il y a un problème que vous partez vers eux, et je crois que le préfet ou bien le sous-préfet ou bien le directeur régional de l'agriculture, ils ont le plein pouvoir pour vous donner une bonne orientation. Cette orientation, ça veut dire quoi? Quand il y a un dégât, on doit aller faire le constat et puis venir s'asseoir et échanger et puis dommager la personne et pour que son cœur soit refroidi. Il faudrait plus que les peuples, on gâte les champs de quelqu'un et puis on se cache. Il faudrait qu'on soit présent. On discute comme les hommes civilisés. S'il y a un problème, il y a des solutions. Le préfet est là, le maire est là, l'interprofessionnel, tout le monde est là. Vous allez se mettre sur la table et le ministre de l'Agriculture est là pour compter ce que vous avez fait et puis vous allez régler ce que vous avez pu faire et non pour courir et se cacher derrière. Alors vraiment, nous le peuple algérien nous a mis devant vous tous puisque nous sommes les plus beaux, nous avons beaucoup de bœufs, nous sommes très jolis. Nos femmes sont très beaux. Parmi vous, il y a beaucoup qui ont des femmes en bas. Est-ce que c'est faux? Il y en a beaucoup qui ont pu marier nos femmes. Alors, vraiment, il faudrait qu'on soit propre. Il ne faudrait plus qu'on se cache. Tu comprends? La loi de la Côte d'Ivoire, il faut la respecter. Il ne faudrait plus faire quelque chose, ce que l'État n'a pas demandé. Et rester ensemble. Il ne faut pas les mauvaises personnes venir rentrer parmi vous. Puisque vous, là, vous travaillez. On connaît la valeur que vous avez. Allez, soyez unis et restez derrière l'administration, je vous remercie. Il est là, je suis Karim Frank Foron, Michel et Tchénike. Karim Kam Michou Bakono. Ni Karim Kam Flatje Maïsi, il faut y que mon Koumana. Flatje Big Jama ou bien Ati Jama. Oradou, Mobama Sara Inge Mobachera. Sumuru Nia Loki Facheka Tugu. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se Parce que Flamusso n'est pas patron et rigolo.
Nindora Flaura Nana possible. What my Aladdin Shaka Sado, Hakatomara Flau, Hakatomara Sala Mohammed, merci. Nos frères, nos soeurs, quant à la réalité des conflits qui sont créés au travers de la transhumance, au travers également de la transhumance transfrontalière. Si il n'y avait pas de solution, nous ne serions pas ici. Si je prends la parole, c'est pour vous confirmer que nous sommes venus avec des solutions. Mais ces solutions-là ne pourront pas être effectives si nous n'avons pas la bénédiction de nos parents, si nous n'avons pas la bénédiction de notre Dieu créateur, si nous n'avons pas la bénédiction et l'implication effective des uns et des autres. Pour l'administration en général et en particulier pour l'administration locale s'occupant de la gestion des activités du monde rural, ce projet en gestation va nous offrir à terme des solutions idoines pour enrichir les mesures gouvernementales déjà mises en œuvre pour juguler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la gestion de nos circonscriptions. Dans cette optique, l'administration ne peut que se féliciter de cette initiative qui épouse parfaitement la vision du gouvernement, qui encourage et exhorte les acteurs à s'organiser et à prendre en charge leurs filières. Au demeurant, je ne doute pas que vos réflexions vont déboucher sur une organisation efficiente de la filière bétail dans toutes ses composantes en vue d'un mieux-être de tous les acteurs. Nous attendons aussi avec un grand intérêt que ces assises nous apportent des solutions pratiques et innovantes dans la gestion des défis majeurs auxquels nous faisons face et qui occupent une place importante dans notre agenda. Il s'agit de la question de la gestion de la transhumance et des éternels conflits agriculteurs-éleveurs. Nous attendons beaucoup de cet atelier et des résultats qui sortiront de vos réflexions. C'était là l'essentiel de notre message, le message que le préfet nous a confié, mais en tant que responsable administratif de ce département et vu l'importante mobilisation qu'il y a, nous profitons de l'opportunité pour passer un autre message aussi important, celui du gouvernement. Les acteurs du bétail sont très importants dans l'économie ivoirienne et nous les voulons en très bonne santé. Nous les voulons en très bonne santé, raison pour laquelle nous invitons tous les acteurs qui n'ont pas encore fait le vaccin du Covid puissent se dépêcher pour aller le faire. Tous les vaccins sont disponibles à l'hôpital général de Madinani. Nous voulons des acteurs en bonne santé. Et donc, c'est sur ce message que je voudrais renouveler mes remerciements à tous les participants et à toutes les délégations qui sont venues d'ailleurs. Non,
En tant qu'élu du département de Madinani, ce qui concerne le développement du département de Madinani, je ne peux qu'être en marge de cette cérémonie. On dit merci vraiment aux frères Fofana d'avoir fait le choix sur la modeste ville de Madinani, qu'on puisse démarrer les hostilités pour la Côte d'Ivoire à partir de Madinani. Donc on dit merci vraiment au gouvernement ivoirien. Nous avons donné à étudier la situation à plusieurs chercheurs à l'université, présidés donc par Dr Adou, maître de conférence en biologie et production animale, enseignant donc à l'ENS, l'École normale supérieure d'Abidjan. Aussi directeur technique de Interbovici. Mes sentiments aujourd'hui, ce ne sont pas les sentiments donc d'un PCA. C'est le sentiment d'un enfant de Madinani, d'un bébé de la chefferie de Madinani, parce que d'eux je découle, je suis petit-fils. Je suis tellement heureux que les autorités, je dirais, qui ont la couronne des élections ici en Madinani, se soient autant mobilisées. Le député, le très cher petit frère Konaté, le maire qui a veillé avec nous à Abidjan pour donc la réussite de cet événement. Et je ne peux que remercier le président de la Confédération du bétail de l'Afrique de l'Ouest. Un monsieur infatigable, un jour on était au bureau, et M. Cissé disait que ce n'était pas un humain, que c'est un extraterrestre. Ishaka Savadogo, il est extraordinaire. Il faut l'approcher pour le connaître. Donc je vous dis merci. Merci à la population, merci à mes parents. Notre arrivée à Madinani aujourd'hui et surtout notre objectif, c'est pour venir faire le lancement, le projet pilote. Et je crois que demain, le docteur va allumer cet atelier pour vous donner les informations les plus mieux écoutées par rapport aux transhumances. Et surtout identification des éleveurs dans le département de Haut-Guinée. Voici l'objectif sur les grands lits,
qu'on a choisi pour le thème de demain. Merci.